Good morning, allez, idem les sujets aujourd'hui, les lunes, Matri, Jérôme, Ben Fortune, Mazal, et Claude, Israq, Ben Fortune, Mazal. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude, Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Rosh Hashana, Perek Dalet, Mishnah Zain. A ouvert l'Ifna Teva, Beyom Tov, Rishon, Beyom Tov, Shel Rosh Hashana, Asheni Matkia, Bishat Ha'alel, Arishon Makre et Ha'alel. Mishnah. Très courte, on la traduit d'abord, après on explique. A ouvert l'ifnateva beyom tov shel Rosh Hashanah. Celui qui, littéralement, celui qui passe devant la teva, devant la, le, comment dire, le pupitre, le, la, la teva, là on fait la tefila en fait. Beyom tov à celui de yom tov de Rosh Hashanah, eh bien, Asheni Matkia, c'est le deuxième qui va sonner le shofar. De quoi on parle? Concrètement, ouvert l'ifnateva, ça veut dire monter officier la tefila, devenir l'officiant de la tefila. Et il y a durant les jours de Shabbatot, il y a Yom Tovim, alors on a deux personnes qui montent. Le premier qui fait Shacharit, le deuxième qui fait Moussaf. La Mishnah va me dire, tu sais, par rapport au chauffard, il y a tout un rituel à faire pour le chauffard. Quand tu sonnes le chauffard, avec le pendant la Chazarat HaShatz, ou pendant la Tfila du Shmona Esrei, Zichronot, Malchuyot Zichronot Shofarot, donc il faut le faire avec l'Amida. Qui est celui qui va faire cette Tfila particulière? Celui qui monte à Shacharit ou celui qui monte à Moussaf? Eh bien, la Mishnah me dit, bien, Asheni Matkia, c'est le deuxième qui va être Tokia. À la différence de Ubishat Halel, et au moment où il faut faire le Halel, c'est-à-dire pendant les Yom Tovim, où il faut maintenant faire le Halel, on a aussi deux personnes qui vont monter, il va y avoir Shacharit, il va y avoir Moussaf. Qui doit faire le Halel? Eh bien, Harishon Makiret Halel. C'est le premier qui va lire le Halel. Soit, en fait, la Mishnah me dit, tu sais, des fois, il faut faire des mitzvot pendant la Tfila. En l'occurrence, on en a deux devant nous, le Shofar et le Halel. Eh bien, la Mishnah me dit, le Halel, on va dire que c'est celui qui va monter après Shachrit, avant de conclure Shachrit, il va là-bas, il va faire le Halel. Donc, dans la première moitié de la Mishnah, de la Tfila, avec Shacharit. Pour le Shofar, non, on repose ça avec la deuxième partie, avec le Moussaf, on commence à faire la bracha du Shofar avant de commencer le Moussaf, et après, on rentre au Moussaf, on fait les Tkiyot, comme on verra plus tard, l'essentiel du... On l'a déjà évoqué, mais ce sera encore plus explicite. Ensuite, je crois qu'il y a une Mishnah plus claire que l'essentiel de la mitzvah du chauffard, c'est de le faire pendant le moussaf, pendant la tfila. Soit belachash, comme ce qu'ils font les sfaradim, mais beaucoup de chassidim aussi, soit même dans la chazara, lorsque, surtout dans la chazara, lorsque l'officiant il reprend la tfila. Donc la Mishnah me dit, ben, pour le halel, pour le chauffard, donc c'est la deuxième partie, celui qui fait le moussaf, il fait la bracha avant, puis après pendant le moussaf, il va sonner le chauffard. Mais pas pendant Shacharit, on ne sonne pas le chauffard pendant Shacharit. La différence du Halel, ou au contraire, c'est celui qui monte le premier qui fait la mitzvah de dire le Halel, et pas le deuxième. Pas celui qui monte à Moussaf. Non, pourquoi cette différence? Alors on a comme règle de manière générale que Zrizin va diminuer la mitzvot. Toute mitzvah que tu dois faire, tu dois te dépêcher de la faire le plus vite possible dès qu'elle se présente à toi. En l'occurrence, la mitzvah du jour, c'est de sonner le chauffard, sonne le chauffard depuis Rosh Hashanah. Pourquoi alors dans ce cas-là pour le chauffard, comme ce qu'on fait dans notre parenthèse aussi pour le Halel? On lit le Halel à Shacharit. Parce que, justement, Zrizin va diminuer la mitzvot. Malgré tout, pour le chauffard, il y a eu un décret spécial. Étant donné qu'il y a eu, pendant une période de Gzerot Shmad, où les Bnei Israël étaient pourchassés et on ne laissait pas accomplir la mitzvah comme ils voulaient, où là-bas, on savait qu'à Rosh Hashanah, il devait sonner le chauffard, et on ne voulait pas que les Bnei Israël sonnent le chauffard. Alors il y avait des policiers qui se promenaient dans les rues, Goy, pour attraper les Juifs qui allaient sonner le chauffard à Rosh Hashanah. Rami, on fait le décret, ne sonnez pas le chauffard à Shacharit, laissez tout le temps de Shacharit se finir. Shacharit, ça se finit à la 6e heure, 4e heure, 6e heure. Attendez, sonnez le chauffard plus tard. Donc, du coup, on a instauré de sonner le chauffard à Moussaf, et depuis, c'est resté en l'état. Donc, on sonne le chauffard pour celui qui fait Moussaf, et le Halel pour celui qui fait Shacharit. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.